Voilà, je viens de sortir de Lidl. Oh, c'est trop mimi ça. Regardez. Attendez, on voit ou on voit pas? Ah oui. Vous avez vu? Oh, c'est trop mignon. Ah ben tiens, moi qui ai besoin d'une voiture bleue en plus. J'avais dit que je voulais une voiture bleue. Attendez, il ne faut pas que je filme la plaque d'immatriculation. Oh, il y en a plein de plaques d'immatriculation. Bonjour. Ouais, ça aussi, il ne faut pas filmer les plaques d'immatriculation. Comment je fais, moi? Comment je fais? Alors, il y a des gens qui m'ont donné des petites vignettes. Je leur ai demandé s'ils s'en servaient ou pas. Pour la peluche, pour les peluches. Parce qu'il faut acheter pour 15 euros d'achat. Et moi, je ne fais pas toujours 15 euros d'achat. Là, vous voyez, j'ai acheté pour moins de 2 euros. Donc, et du coup, là, j'ai eu 4 vignettes, on m'a donné. Les gens ne prenaient pas les vignettes, donc du coup. Mais il m'en manque encore, hein. Alors je vais essayer d'avoir Idéfix, le petit chien. Il est trop mignon, Idéfix. Mais de toute façon, c'était le surnom qu'on me donnait en plus, Idéfix. Alors, il est trop mignon en peluche. Il faut que j'arrive à l'avoir. Hein. Obélix, je trouve qu'il est bien fait. Le druide là, je trouve qu'il est mal fait. Astérix, je trouve qu'il est mal fait. Le visage, vraiment, ils n'ont pas réussi. Hein. Je trouve qu'il n'est pas... Voilà quoi. Bon, c'est bon, je peux traverser. Il faut que je monte sur le trottoir. Cette rue, bête. Oh, bonjour le chat. Bon, je reste là-bas, hein, parce que... Il y a des voitures, hein? Attends, il y a une mobilette qui arrive. Attends, attends. Bonjour, petit chat. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Oui. Bon, je m'en vais parce que tu as l'air un petit peu apeuré. Je m'en vais, hein? Regarde, je traverse. Voilà. Bon, cette rue, elle est toujours aussi pourrave. Voilà, je le dis. Hein? Toujours aussi pourrie. Les trottoirs, pareil. Alors que la mairie, là, pourrait passer un truc. Et... Mais elle est pourrie, cette rue, quoi. En vélo, les poussettes et tout. Mais là, c'est même pas la peine, quoi. Là, je vous dis pas, mais les gamins dans les poussettes, déjà, ils se prennent tous les coups dans le dos. Hein? Ah oui, oui. Là, c'est sûr, quoi. Je vais t'en refaire une autre vidéo, moi, de cette rue. Je vais te la renvoyer encore à la mairie. M'en fous, je l'ai déjà fait une fois. On m'a dit oui, oui, qu'ils s'en occupaient. Ouais, ils sont venus reboucher, allez, quelques petits trous, là, vous voyez. Ils ont fait un petit effort. Là. Ils ont fait un petit effort. Mais non, normalement, c'est tu bloques toute la rue, tu la bloques, ou la moitié de la rue, déjà. Tu bloques toute la moitié d'une rue, là, tu bétonnes tout à plat, voilà, quand c'est sec, hop, ben tu fais de l'autre côté, voilà, parce que je vous dis pas, même la rue qui va de là-bas, mais je vous dis pas les trous qu'il y a, quoi. Là, c'est pareil, mais regardez ça. Comme on m'a dit, c'est pas avec le maire qu'on a qu'ils vont faire quelque chose. Hein. Ah, ça, pour montrer qu'on a une belle cathédrale, une belle place. Ouais, mais après, on ne te montre pas la vraie réalité, quoi. Hein. Et après, les gens, ils vont s'étonner que les pneus font que se user. De toute façon, vu la mentalité des gens qu'il y a ici, c'est toujours le même maire, de toute façon, qui est voté. Et ça ne m'étonne même plus, maintenant. Ça ne m'étonne même pas. Voilà. Pour savoir comment sont la mentalité des gens dans une ville, dans un village, ben vous regardez quel style de maire vous avez. Voilà. Et vous avez tout compris.
savez à qui vous avez affaire. Toutou? Mince, j'ai oublié son nom. Il n'est pas là. Il n'y a pas la voiture. Donc le maître il a dû partir avec le chien. Il n'est pas là. Mince, j'ai oublié le nom du chien. Bon, pas grave. De toute façon, lui, il me reconnaît, donc... Ah, c'est difficile pour moi de tout retenir. Quand ça fait longtemps que je n'ai pas dit le même prénom, le même nom, j'oublie. Je vais aller voir les fleurs là, voyons. Ils sont beaux. Moi j'aime bien ce petit jardin. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue voir le petit jardin ici. Je crois que ça se mange ça, non? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ou pas. Ah, il n'y a plus les fleurs comme avant. Non. C'est fini, le printemps est passé, l'été est passé. Je voulais vous montrer les jolies fleurs qu'il y avait. Mais bon, c'était déjà cet été. Je vais vous montrer, mais non, ils n'y sont plus. Eh non. J'adore. J'adore voir des beaux jardins. Tout fleuri et tout, oh, moi j'adore. Mais je me régale, hein. Moi je me régale. Et des fois, il y a des gens qui me voient, ils viennent me voir et tout, ils me disent bonjour et tout, et puis on papote. On papote, ben ouais, parce que je suis devant le grillage en train de baver devant toutes les jolies fleurs qu'il y a. Et puis du coup, bon, j'ai quand même pas une tête de truand, quoi. Du coup, ils viennent me voir et tout, et puis on discute, et puis ils ont une passion, ces gens. Ils ont une passion dans leur jardin. C'est incroyable. Un jour, j'ai même demandé à un monsieur si je pouvais rentrer dans son jardin, filmer tellement qu'il était beau. Il était beau. Il avait mais plein de trucs. Il avait même des petits nains. Il avait de ces trucs comme ça. Alors bien sûr, je lui ai dit que je ne lui donnerais pas l'adresse, où c'était, ni le nom, ni quoi que ce soit. Voilà, je ne donnais pas l'adresse, rien. Et il m'a laissé rentrer et j'ai filmé tout son jardin. C'était tellement beau. Ah, ben ouais, voilà, je me permets. Je demande, après bien sûr, je ne donne pas l'endroit, je ne donne, de toute façon, ce n'était pas sur Roche. Je ne donne rien, mais ouais. Et puis il y avait un chien. Et il y avait un toutou. Il est gentil votre chien. C'est germé. Voilà. Ben voilà. Ouais. Voilà. Non, ben les gens du coup... Bon, il y a des gens qui peuvent un jour arriver agressivement et puis venir me dire « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Non, non, non. Un jour, peut-être que ça peut arriver. Hein. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas arriver. Mais j'ai quand même pas la tête d'un truand. Et puis, je regarde le jardin avec tellement d'amour, tellement de bonheur. Ben, du coup, les gens, ils viennent. Et puis, moi, je leur dis que leur jardin est magnifique et tout. Et puis, on se met à parler. Et eux, ils parlent de leur passion, parce que c'est une passion qu'ils ont des plantes. Hein. C'est une vraie passion. C'est pas comme moi, je vais planter de bricoles. Voilà, quoi. Ah, ça n'a rien à voir. Et voilà, je fais de belles rencontres comme ça. Après, c'est fini. Je ne les revois plus, les gens. Je ne les revois plus. Mais j'adore. Ben là, cet hiver, ben là, il me tarde. C'est que je vais, cette fois-ci, l'année dernière, je ne l'avais pas trop fait, il me semble.
Je vais aller filmer des jardins où tout est décoré, où la nuit s'est illuminée. Alors le problème de la nuit, c'est que moi, ça filme pas bien. C'est ça mon problème, c'est que je peux pas filmer trop la nuit, ça filme pas bien. Pour ça qu'en général, je filme le jour. Parce que la nuit, ça filme pas bien. On voit presque rien, quoi. Donc voilà, mon but, ouais, c'est de pouvoir. J'ai plusieurs buts là. J'ai plusieurs buts. Bon, je sais que je dois aller à Lourdes. Je dois aller à Toulouse. Je dois voir un projet pour ma maison. Donc, on verra ce projet-là dans pour combien de temps, parce que voilà. Et entre-temps, je voudrais m'acheter un bon appareil qui filme la nuit. Mais vraiment, qui filme la nuit, mais vraiment, mais un bon appareil, quoi. Hein. Je veux dire que, voilà, s'il faut mettre 800 euros dedans, 1000 euros, je vais le mettre. Je vais le mettre. Quand en pleine nuit, je suis dehors, je me promène avec mes chats, d'accord? Et que j'ai en face de moi une biche qui arrive. Elle a le nez au sol en train de chercher à manger. Que j'ai ma lumière frontale, que je ne bouge pas, que je suis avec mes chats assises par terre. Elle vient vers moi, mais je me dis, mais elle sent pas que je suis humaine. Elle me sent pas. Et elle est juste à quelques mètres de moi. Et j'ai rien pour filmer. Et vous savez comment elle se rend compte que je suis là? C'est parce que qu'est-ce que je fais? Parce qu'elle est vraiment proche de moi, quoi. Je me dis, mais elle n'a pas senti que je suis une humaine. Non, l'autre tombe en train de fouiner. Et puis j'avais le chat à côté. Et puis il y avait un petit chat. Donc elle tourne la tête vers le petit chat, mais moi, elle ne m'avait pas vue. Hein. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais peur qu'en marchant, elle piétine le petit chat sans faire exprès. Je tourne la tête et d'un coup, elle tourne la tête vers moi, elle me regarde et elle part en courant. Elle part en courant, elle s'en va vers les arbres, elle s'arrête, elle regarde à nouveau, et puis elle continue, tranquille, la tête en bas, en train de chercher à manger. Vous vous rendez compte que si là j'avais eu une caméra allumée, que vous voyez ça de vos propres yeux, mais le mieux c'est de le voir en vrai, quoi. Si vous avez de la chance, c'est de le voir en vrai. Parce que bon, même si je vous le montre en vidéo, ça, vous n'avez pas le même ressenti. Mais c'était une jeune biche, hein. Attention, c'était une jeune biche. Ouais, des fois la nuit je ne dors pas. Je suis réveillée, je sors avec mes chats, on va se promener. J'ai ma petite lampe frontale. On va s'asseoir. Voilà. Et j'ai des. Et voilà, et c'est là que les animaux ils arrivent, tranquilles. Non mais là elle était vachement près, quoi. Je me suis dit, non mais elle ne m'a pas senti. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il n'y avait pas de vent. Parce qu'avec le vent, c'est sûr que si le vent est de ce côté-là, donc du coup, elle ne me sent pas, mais il n'y avait pas de vent. S'il y avait eu le vent derrière moi qui allait vers elle, elle m'aurait senti. Mais là, quand même, je me dis, mais donc il n'y avait pas de vent, d'accord? Et là, je me dis, mais elle ne me sent pas, elle ne me voit pas. J'ai ma frontale sur là, la lumière sur le front. Alors, tu bouges pas, tu fais pas de bruit. Mais quand j'ai vu qu'il y avait le petit chaton là à côté, le petit chat, et qu'elle, du coup, elle s'était arrêtée pour le regarder, mais je me suis dit, mais si elle avance de quelques pas, sans faire esprit, je ne sais pas si le chat il part pas, il risque de lui marcher dessus. Donc du coup, j'ai décidé de tourner la tête et c'est là qu'elle m'a vu. Et, ah, je vous jure, il m'arrive de ces trucs. Ah, c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, moi, j'adore filmer, quoi. J'adore montrer, j'adore partager. Voilà, c'est ça. C'est que j'adore partager ce que je vois. C'est tellement beau et c'est tellement rare, quoi. Un animal qui s'approche de toi comme ça, mais
voilà quoi, c'est une chance sur 100 000 quoi. Et là, j'étais pas toute seule. Hein. Non, non, j'étais avec 7 chats en tout. Ouais, il y en avait 7. Ouais, ouais, mais c'est comme ça, les chats, ils arrivent, ils nous suivent. Et j'étais assise par terre et les 7 chats aussi, ils étaient assis, tranquilles. Tranquille. Alors, j'en profite pour faire ma méditation, pour reposer l'esprit. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé là, c'est merveilleux quoi. C'est merveilleux, t'as une biche devant toi. Et... une jeune biche, une jeune. Mais bon, malheureusement, tôt ou tard, elle sera plus là, malheureusement. Et bon, là, j'ai de la chance, j'ai jamais vu de sanglier. Jamais vu de sanglier. J'ai pas vu de renard. Non plus. Alors, si je vois un renard, je dis, oh, je suis végétarienne, moi. Moi, tu me manges pas. Je vais te chercher un casse-croûte à la maison, si tu veux, je reviens, mais tu me manges pas. Non, non, je suis végétarienne, moi. Oh, non, mais...